Ça fait longtemps que ça montait pas comme ça. Et surtout, ça fait longtemps que je suis pas sorti. Donc forcément... Ouh. Alors, aujourd'hui, la journée est presque finie, tout comme l'année qui est presque finie. On est samedi 31 décembre. J'ai décidé d'aller passer le réveillon dans une petite cabane, histoire de changer un peu de ce qui se fait traditionnellement. Hein. Boîte, collègues, tout ça, là, on va se recentrer sur moi. Du coup, donc je vais à une petite cabane qui a au niveau de, au-dessus de Flassan. Donc c'est, je me suis garé sur la route du Mont Ventoux, celle qui monte, hop. Et je crois qu'il y a 4 km et demi. Donc voilà. Alors j'ai fait 1 km déjà, à peine, et j'ai déjà chaud. C'est un truc de fou le temps. Le 31 décembre, il fait... Je suis parti de la maison, il faisait 18, là il fait 16. C'est chaud. Hein. Alors, hop, on va avancer quelques pas de plus. Pour ça. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. Donc je suis parti léger. Léger, c'est-à-dire j'ai pris un sac, mon sac de tous les jours. Mais ça se voit que c'est pas un sac de rando. J'ai pris vraiment le strict minimum. Et c'est l'occasion aussi de tester la nouvelle caméra. Alors sur ce parcours, il y a plusieurs JAS. Donc moi, je vais au JAS de la Coumanche, quelque chose comme ça. Et là, on est au JAS du Roussa. Je sais pas si on entend, mais... Il doit y avoir quelque chose. C'est fermé. Ouais, à demi fermé. Je sais pas si on entend les voitures, mais depuis que je suis parti de la maison, je fais que de croiser des belles voitures. Il doit y avoir un rassemblement ou quelque chose comme ça. Allez, en haut, chut, descend et on remonte. Et là, ça monte encore un peu. Hop. Alors là, on arrive sur le petit passage technique de cette portion. Donc, hop. Tout là-haut, là-bas, là, le Ventoux, et là, ça descend. Donc, ça descend comme ça, clac 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 clac, tout en bas, on va aller voir de là, et après on remonte.
Alors, je suis KO. Ouais. Ouh. Bon, je suis descendu, remonté. Là, je suis dans un petit sous-bois pour arriver au jas de Couhanche. Apparemment, il y a déjà des personnes là-bas, des randonneurs. On va voir. On tâte un peu le terrain et en restant, on part. Bon, je suis arrivé au jas de Couhanche. Il y avait un groupe de jeunes. Et bon, j'ai senti que ils voulaient passer la soirée ensemble. Donc, pas de problème, on s'adapte. Je vais continuer. Donc, soit je vais au jas des pèlerins. Bon, c'est une grotte le truc. Soit je redescends tranquillou. Bon, d'après ce que je vois, le jas des pèlerins, c'est une grotte. Les infos, dernières infos, c'est 2008. Donc, je crois que on va jouer sécure. On va redescendre tranquillement. Je vais faire quelques photos et quelques vidéos de ciel. Déjà là, hop là, voilà. Comme ça. Alors, je viens d'arriver. Oh, on voit pas. Jas de Mour. C'est spartiate, hein. C'est moins confort que l'autre. Mais bon, ça fera peut-être l'affaire. Hop, on va recommencer. Donc, ce qu'on va faire, on va dire manger. Et on verra après. Bon, là, on peut faire un petit feu, on est bon. Bon alors, ça n'a pas été simple, mais le feu est allumé. Le problème, c'est que c'est le bois est tout humide, donc... Je viens de finir de manger. Je pourrais dormir ici, mais je pense pas que je vais rester parce que trop de... Faut tout nettoyer. C'est faisable, hein. Mais... flemme. Voilà. Donc, j'ai fini la petite binouze. Et... je pense que je vais rentrer tranquillou. De nuit. Alors, j'ai pas été le seul à avoir cette idée, puisque ça fait le quatrième groupe. Je vois, je tente. C'est vraiment cool. En même temps, enfin, je leur dis, mais
On est le 31 décembre. Et il fait 15 degrés. Mais non, il n'y a pas de problème de réchauffement climatique. Tout va bien. Alors là, donc du coup, je retourne à la voiture. Par une piste forestière. De temps en temps, il faut que je mette la droite ou gauche, là. Alors ce petit panneau LED, il est sympa, mais il est quand même assez agressif. Hein. Je sais pas si on peut le baisser. Voilà. On voit plus rien. Alors je viens de m'arrêter pour faire quelques photos pour tester ce que ça donne, et puis ça a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer de les mettre. Bon, alors ça y est, je suis arrivé à la voiture. Verdict, donc j'étais parti pour dormir au Jas de Couanche. Bon, il y avait déjà du monde là-bas. Au final, j'ai continué. Option 1, aller au Jas des Pèlerins. Mais je savais que c'était une ruine. Et puis il fallait monter encore, donc je me suis dit flemme, pas envie. Du coup, je suis redescendu et je suis arrivé au Jas du Mour, de Mour, quelque chose comme ça. Où j'ai fait un petit feu, où j'ai mangé, j'ai fait des tests photos, et puis je suis redescendu jusqu'à la voiture. Donc voilà, j'en ai profité pour faire plein de tests de photos, et voilà, du coup maintenant je rentre, je vais mettre un peu d'essence parce que je suis en réserve, et puis voilà. L'année se termine bien.